pretty baby, oh my sweetie baby, I just can't believe I'm yours. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down, 'cause I'm coming up strong. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première semaine de confinement, on a réussi à travailler, ça s'est bien passé. Je vais finir un peu l'intérieur, j'ai des meubles à créer à l'intérieur au-dessus de mon enceinte. Ensuite, faut que je fasse le petit coffre pour ranger la couette qui va se trouver derrière la dinette. Et on va commencer le porte-moto. Donc le porte-moto, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, il va être fixe. Et on viendra avec un palan tout simplement lever la moto, la mettre sur son support, et on pourra faire aussi pareil pour la roue de secours. Et l'avantage de ce palan, c'est qu'on va le faire assez costaud. Il pourra nous servir aussi pour déplacer des bricoles à droite à gauche, dès l'instant où ça ne dépassera pas 300 kg. Voilà, on va le faire pour 300 kg à peu près, qu'il soit assez costaud. On pourra lever plus, mais je pense que j'essaierai de pas lever plus de 300 kg. Donc je me mets au travail, je finis mes petits meubles, comme ça on n'en parle plus, ça c'est fait. Et après on va faire le bilan de ce qu'on a en acier. Découpage, et ensuite on pourra venir commencer à caler le porte-moto sous le camion. Vous allez voir, c'est assez simple parce qu'en fait j'ai récupéré la galerie et je vous montrerai tout ça en vidéo tout à l'heure, ça sera bien plus simple. Je récupère uniquement le fond de la galerie. Il y aura 1,50 m de poutres qui vont aller sous la caisse, qui vont être fixées avec des boulons. Et le reste, il y aura à peu près 80 cm qui va ressortir pour mettre la moto dessus. Mais vous comprendrez mieux ça tout à l'heure quand je vous montrerai ça en image. Allez, à tout à l'heure. Et là, je vais aller vous faire voir Jean-Philippe. Il est en train de bricoler sur son 4x4. Je lui donne un petit coup de main quand il a besoin. Il est en train de changer sa tresse d'échappement pour pouvoir le repasser au contrôle technique. Et son capteur ABS aussi qu'il a changé. Et il écoute les grosses têtes. Attention. Alors, fais-nous voir tout ça. Le nouveau, l'ancien. Voilà, ça sera bien mieux. Capteur ? Ouais. Le nouveau capteur, il est ici. Ouais. Vous voyez, c'est tout beau, tout joli. Hein. C'est tout propre. Et l'autre, il était tout, tout cramoisi. Hein. Ça, c'est l'ancien. Tu vois ? Ah. C'est quoi ce bruit ? C'est un drone. Bah oui, c'est un drone. Il est où ? Là-haut. Ah, il vole au-dessus de nous comme ça. Ouais. Hein, c'est qui ? À côté. Ah bon ? Ouais. Voilà, enfin, bref, je ne l'ai pas fait voir. Donc ça, c'est le vieux, vous voyez, il a été tout gratté. Donc du coup, ton capteur, il ne me fonctionnait plus très bien, alors ? Il fonctionnait plus du tout. Il fonctionnait plus du tout, bah oui. Voilà, il était un petit peu mort. Et puis ça, c'est la nouvelle cage dans laquelle normalement le capteur vient se figer. C'est en cuivre, ça, on dirait, non? Ouais, c'est une matière de laiton. Voilà, et puis après ça vient s'enfiler là-dedans. Puis ça, au contrôle technique, c'est fichu, c'est un capteur ABS, ça passe pas. Ah bah non, et puis moi de toute façon en plus j'ai plus l'anti-patinage avec. Ah ouais, parce que ça prend par rapport à ça. De toute façon, ça fait que de patiner, ça. Ah non, il patine pas. C'est un 4x4. Ça, et puis la tresse d'échappement qui a squinté aussi un peu. Ouais. Il va falloir que j'enlève le tube et puis que soit je ressoude, soit je commande une tresse. T'as levé ton capot avec le palan ? Ouais. Bah d'ailleurs, c'est pas mal. Hein. Regarde, j'ai même levé le 4x4, tu vois, j'ai pas crié. Tu vas faire quoi, l'entretien du tracteur ? Ouais. Tu vas regarder les lames ? Regarder mes lames. Et d'habitude, il faut les démonter, tu sais, pour... Est-ce que c'est pratique, cette grosse vache? Vas-y, encore un peu. Il va lever son tracteur, regarde-le. Non, mais c'est vrai que c'est nickel pour faire l'entretien. Ah bah, puis bon, ça va pas tomber. Hein. Non, il y a une sécurité, il y a un frein, ça peut pas tomber. Ouais. À moins que le câble il casse, mais bon, d'ici là qu'il casse. Voilà. Tu vois, regarde, c'est nickel, comme ça tu peux te mettre en dessous. Ouais. Attends, je vais le remettre encore. Il a quel âge ton tracteur? Il a 15 ans. 15 ans 15-16 ans, je sais plus. Alors moi je tiens à souligner qu'il faudrait tous prendre exemple sur Jean-Philippe. Oula. Si, parce qu'en fait, je suis en train d'apprendre des choses, moi, c'est qu'il répare tout.
Alors nous, on a tendance, la nouvelle génération, on achète un truc, c'est cassé, on le jette, même au bout d'un an. Lui, il a un four, il a changé la résistance, les machins. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui déconne, il va commander la pièce et il change le truc. Eh bien, il faut prendre exemple parce que ça, je ne sais pas comment ça s'appelle quand ça c'est dû. C'est éviter de faire produire, sans ressortir des matériaux de matières premières pour refabriquer des choses. Donc on essaie de réparer ou de faire avec ce qu'on a. Il recycle, il répare et ça, voilà, ça évite la surproduction de matériel. Ouais. Et j'avoue qu'il faudra en prendre de la graine parce que ça c'est vachement bien. Je voulais vraiment en parler, c'est que Jean-Philippe il est comme ça. Et regardez, il a, voilà, son tracteur tondeuse il est super vieux, mais comme il entretient bien et qu'il répare au fur et à mesure, bah, il va encore faire des années quoi. Et on a l'impression qu'il n'est pas si vieux que ça parce qu'il est très propre. Et c'est comme ça partout chez Jean-Philippe. Il y a plein de trucs comme ça qui sont vieux, en bon état. Et à chaque fois, il les répare. C'est bien. C'est une démarche, comment on dit comment on dit cette démarche-là ouais, lui aussi, il prend soin de lui. Il est tout vieux, on dirait pas, regardez. Comment on appelle, chouchou comment on appelle les gens qui font cette démarche-là là. Mais si. Si, c'est un nom. Mais ouais, bien c'est sûr. C'est pas éco-responsable. Je vais pas trouver le mot qui. C'est une démarche éco-responsable. Oui, c'est une démarche éco-responsable, mais je vais pas trouver le mot qui te définit. Mais les gens, ils vont nous aider. Ouais, verra. Voilà, je tenais vraiment à le souligner. Oh my love. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing. I don't know. Oh my love, I don't know where I'm going. I don't know where I'm going. I don't know. Everything's changing, I find it so strange. T'as pas le droit. Ah, c'est quoi ça? Non, t'as dit que tu mes gâteaux. Ah ouais, mais là, t'as mis des petites pépites, c'est pas du chocolat noir, ça. Non. C'est à quoi? C'est des pépites choco caramel. Oh là 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 là. Bon, bah là, il faut que je prenne une pause. Heureusement que je prends soin de vous quand même. Je sais pas si c'est prendre soin de nous, mais en tout cas, ça fait du bien. Et en fait, on s'habitue et on se dit. Salut! Il est bientôt l'heure du goûter. Ouais, je sais pas. Comme les gosses. En tout cas, tu sais que dans la tête d'un enfant, dans la vie d'un enfant, sentir le petit odeur de gâteau et tout, ça les rend super heureux. Ah bah je pense, j'espère. C'est un truc de fou. Bah si, quand t'es gosse et que tu sens l'odeur des crêpes, des gâteaux, des cookies, tu dis ouais, maman gâteau. Ils s'en souviendront ça plus tard. Ils diront ma mère, elle nous fait plein de petits gâteaux. Est-ce que c'est... Eh bien voilà, ça se termine. Je fais un petit coup de rangement. Maintenant, je vais tout jointer pour être tranquille et pour faciliter le nettoyage plus tard pour la poussière. Ça évitera que ça se prenne dans les rainures. Donc pourquoi j'ai fait ça en plusieurs planches? Pour tout simplement utiliser toutes les chutes, parce que je commence à manquer de bois. Et même ce bois-là, j'en ai pas acheté assez. Donc bah voilà, il y a des petites chutes un peu partout. Ensuite, ici, il y aura des meubles, donc ça va pas gêner. Là, ça va être une petite tablette pour poser les téléphones et bah, deux, trois trucs électroniques. Donc je vais mettre une petite cornière de finition et je viendrai mettre peut-être un genre de petit balatome avec les chutes du balatome qu'on aura. Voilà, il y a les endroits que je vais pouvoir... caché avec des petites cornières en alu pour faire une petite finition sympa. J'ai essayé d'optimiser au maximum les petits morceaux pour pouvoir me resservir. Et je suis plutôt satisfait du résultat. Voilà, donc là j'ai un meuble. En dessous, il y a l'enceinte. Ici, petite table pour poser les affaires. Et ici, on va venir acheter des meubles tout près pour venir ranger nos affaires. Ça sera nos armoires à nous. Il faut que je fasse une petite découpe ici. D'ailleurs, je vais peut-être la faire maintenant avec une petite charnière. Pour venir ranger notre couette. Voilà, parce que là, en fait, il n'y a rien. Là, si je laisse comme ça, c'est un coffre caché. Coffre caché, ça pourrait servir de coffre fort. Non, ça va juste servir pour ranger les couettes. C'est tout, en fait.
Voilà, vous avez vu, ça y est, j'ai tout découpé. Donc le porte-moto, il est ici. Et ça, c'est ce qui va servir à le fixer. Donc on va le sortir avec Jean-Philippe et puis on va voir le poids. Mais si c'est trop lourd, il y aura encore des trucs à découper, hein, des renforts. Hein. Tu vois, il y a la grosse tôle, là, on peut l'enlever. Si vraiment c'est encore trop lourd, je coupe même ici, hein, tant pis. Hein. Si c'est vraiment trop lourd, faut pas que... C'est ça qui est lourd aussi. Mais ça, faut le garder. Ouais. Ah, bah un petit tube. C'est comme de l'argent. Un euro plus un euro, tu deviens millionnaire. Un peu d'euros. Eh ouais, Théo. Ça y est ? Faut qu'on soit synchro. Ah, c'est même, ça roule même sur les petites roulettes. Bah ouais, de toute façon, c'est la même largeur. Bah moi, je le trouve un peu lourd, Jean-Phi. Mais attends. C'est lourd. C'est encombrant. Non, je te dis, il fait ouais, 60 kilos. Tu vois pas plus. Voir toi, viens là. Viens là. 60, c'est sûr. C'est 79. Allez. Oh bah non, t'es carrément plus léger. Eh bah tu vois. Rien à voir. Bah oui. Hein. 79, donc... Dit, bon, allez, ça fait 100 kilos. Ça fait 100 kilos. Bah bien sûr. Tu crois ? Bah oui. T'as vu ça, on pourra le garder pour mettre sur la cabine, ça. Si on veut. Bon, eh bien c'est propre, ça commence à être fini, ça. Voilà, donc ça, c'est notre porte-moto bah, quasiment fini. On va juste remettre une petite barre de fer ici et une là, à l'endroit où il y aura les roues de la moto, où ça va forcer. Et puis après, une planche par-dessus ou un grillage, là, c'est pas encore bien défini. Mais voilà, le porte-moto, il est là. Et au final, vous avez vu, il est quasiment déjà tout construit. Voilà, bon, on a commencé à préparer un petit plan de travail à hauteur pour bricoler, comme on commence à se faire vieux. Ah ! Pour poser le porte-moto. Et là, on va jeter les sangles par-dessus. Et comme ça, on viendra le serrer. Il va se coller et puis on pourra prendre toutes nos marques, tout ça. Attends. Parce que la fois, elle a eu de la chance. Donc, elle va revenir une deuxième fois. Ah ouais, c'est pas bête, non. Viens là. Non, t'as eu de la chance. T'as eu de la chance la fois dernière. Ouais, c'est ça. Tu vas planter 4 avis. C'est pas les mêmes que la dernière fois, ça. Si. Non, c'est exactement les mêmes. En fait, on les a oubliés. La ah, j'avais qu'il n'y avait pas de fenêtre, hein. Non, sérieux. Eh, j'ai mis toute ma puissance, attends. C'est clair, heureusement qu'il n'y avait pas de fenêtre. Ah ouais, arrête tes conneries. Regarde, Charlotte, tout en douceur. Voilà, enroulé, et hop là. Non, sérieux, j'ai pas fait exprès. Hey. Oh là, bah carrément. Ouais, tu vois, quand en je le dis. Elle a trouvé elle a passé de l'autre côté. Moi, je suis un très... Je voudrais pas dire, mais Charlotte, j'ai plus de puissance. Non, moi, j'ai la puissance, mais je suis un très mauvais viseur. C'est pas la puissance, c'est le tact que tu as dans ton enroulage de bras. Ouais, j'ai ravi la gagner. Ouais, regarde, il était comme... Dans la fenêtre, youhou. Voilà. Ouais. Ou quoi? Ouais, bah. C'est de la chance ou pas de chance? Ouais, c'est de la chance que t'as eu, ouais. Tu veux que je te montre comment on fait? Arrête, tu es en train de bricoler! Bah c'est bon maintenant, faut que je tende. Tu tiens ? Voilà ce que ça va donner, à peu près. Oh, ça va, ça dépasse pas trop. C'est nickel. Ouais, moi j'aime bien. Et en fait, ça va rester fixe. Et ça me permettra, même si on part sans moto, voilà, si on a envie de partir sans moto, ou si on est obligé de partir sans moto, parce que certains pays, ça va être galère, ça restera pour faire un petit peu de stockage et surtout le roue de secours. Voilà, donc il y aura la roue de secours qui va être posée au milieu, fixée avec une sangle, avec les petits crochets qu'on a gardés exprès. Et la moto, elle viendra être posée dessus. Paf! Normalement, la roue de secours, elle ne gêne pas la moto, comme il y a le guidon, tout ça, qui dépasse. Et le palan, on va le mettre ici. Un gros palan jusqu'en haut. Et il pourra venir déposer la moto.
et la remettre dessus. Ensuite, avec une petite échelle, et ben, on montera dessus et puis j'accrocherai la moto, c'est pas grave ça. Quelle imagination il faut avoir quand on n'a pas le matériel en fait. C'est ça. Et là, il n'y a pas beaucoup d'imagination parce qu'en fait, il y avait juste à faire quelques découpes et on avait le porte-moto, il était là, Jean-Philippe. Ouais, mais ça, on voulait le garder pour faire un plateau. C'est la seule pièce qu'on voulait garder pour faire un plateau. Voilà, c'est la seule qu'on a découpée. Et ben voilà, comme ça, c'est décidé. Elle était beaucoup plus large. Hein. Ça sera un porte-moto fixe avec un palan. Et le palan, je pourrais même m'en servir ici. Comme il sera électrique, je pourrais descendre des pièces, les monter à hauteur. Il aura une portée de 1m50, 1m70 à peu près. Ça faudra pour ne serait-ce qu'installer la route de secours. Ouais, voilà. Puis pour la route de secours, ça va être super pratique aussi. Tout est soudé, Jean-Phi. Ouais. Ça va, elles sont propres les soudures. Ouais, c'est impeccable. J'ai l'impression qu'il y en a, elles sont belles, non? Celle-là est très belle. Ouais. Il y en a quelques-unes, il y en a quelques-unes qui sont pas mal hein, quand même. Bah, après, sur le galva, c'est pas évident. Ouais, on a bien meulé avant de souder. Ouais. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, elle va être bien la moto là-dessus. C'est cool, hein. Franchement, c'est cool, je suis content. Je pense qu'elle va pas tomber. Tiens, parlant de moto, ce midi, j'ai une suggestion sur YouTube et j'ai vu une chaîne, ils sont partis en moto. Ils sont partis en moto avec leurs enfants en Asie faire le tour d'Asie. Enfin, je ne sais plus trop où exactement, j'ai vu juste une seule vidéo. Et là, ils étaient partis voir des éléphants d'Asie. Et donc, ils sont partis en moto et ils ont fait un petit bivouac, tout ça. Ils ont fait du pain, tu sais, au feu de bois dans une petite gamelle. Ah, la vache, ça m'a trop donné envie de revendre le camion et de refaire des motos en fait. De refaire des motos. Non. Bah là, mais c'est franchement, bon, là, chouette. Moto, ouais. C'est les petits voyageurs. Si ouais, je dis pas de bêtises, les petits voyageurs, ouais. Et ils sont partis en moto et tout, je savais pas, franchement. Mais ils avaient un camion avant. Moi je les connais depuis un moment déjà. Ah bon? Ouais, ça fait plus d'un an que je les suis. Ils avaient un camion à Renault que le gars. Ils l'ont toujours lui-même. Oui, ils l'ont toujours, ils l'ont mis en. Un 4x4 en garminage, un Renault 4x4, ouais. Ah. Un Renault 4x4 marron. Toi, tu connais, tu les connais? Ouais, je les connais, ça fait plus d'un an que je les suis. Ah, d'accord. Nickel. Moi, j'ai vu la vidéo tout à l'heure, j'ai vu la vidéo avec les éléphants. Ouais. Allez, jetez un œil. Les petits voyageurs, je vais vous mettre le lien ici ou ici. Ouais. Si j'arrive, je fais genre là. 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 Voilà, si j'arrive à faire, je ne sais pas trop faire les liens pour l'instant, les suggestions de chaîne, je ne sais pas trop faire. Donc si ça marche, c'est là. Voilà. Ok. Allez, jetez un œil, vous allez voir. Moi, j'ai regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, ça m'a scotché. Voilà, je ne vous en dis pas plus, ça m'a scotché. Et toi, tu les connais déjà, quoi. Ouais. C'est d'accord. Une famille avec deux enfants. Ouais, non, c'est bon, j'ai compris. Allez, voilà, ça. Quoi. Ouais. Ouais, il faut suivre, Jérémy. Franchement. Non, mais c'est bon, ça va, ça. Allez. Ouais. Non, mais sans déconner, allez. On va vous dire au revoir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que le porte-moto sera fixé. Là, il va falloir qu'on mette un petit coup de peinture. Je ne sais pas si on va faire ce soir. On fait des sacrées journées en ce moment. Moi, ça me casse quand même. Hein. Des bonnes petites journées. Ah, ça fait des bonnes journées. Hein. Donc si on a le temps, on peint ce soir. Et je pense pas qu'on va peindre ce soir parce que j'ai envie de faire ça bien, la peinture. Ouais, et puis je pense qu'après, avec la température, on va pas être bien. C'est vrai qu'il fait un peu froid. On va faire ça demain matin, gentiment. Et ça aura toute la journée pour sécher. Et une fois qu'il sera monté, il y avait juste un boulon qui tenait tout à l'heure. Ouais. On pouvait monter à 4 dessus déjà. Ouais. Oh là là, il y aura une idée, c'est rigidité. De ce côté-là, ça va pas bouger. Ça va être très bien. Ouais, bah, je suis content au final. Je suis super content.
Bah écoute, au moins comme ça on aura le porte-moto. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Porte-moto ou porte à faire. Et avec la récup. Ouais, enfin de la récup, je l'ai payé quand même cette galerie avec le camion. Hein. Bon. Donc non, mais c'est cool. Bah, demain, faut encore souder. Bon, on peut pas peindre ce soir alors. Non. Demain, faut encore souder trois renforts et on mettra des. Une planche pour que la moto elle puisse venir se poser nickel dessus, et j'aurais bien aimé l'avoir la moto pour l'essayer quoi, pour essayer dessus si j'ai ça bien, va. J'ai bien un support alu, mais je crois qu'il est pas assez long pour la poser dessus, c'est dommage. Écoute, on verra bien. On va voir. Des petits pouces, abonnez-vous sur Instagram parce qu'on arrive bientôt à 10 000, on pourra bientôt faire des swipe up comme Philippe de Voyage Voyage qui est tout le temps en train de nous narguer. Et nous, on ne peut pas en faire. Mais bientôt, ce sera notre tour, Philippe. Philippe. Voilà, allez, gros bisous et à samedi. Coupé.